À Bièvre, dans l'Essonne, la librairie d'Émile Feuille n'est pas une librairie comme les autres. Car derrière les livres se cache un restaurant. À chaque fois que j'amène des amis ici, ils découvrent et c'est un bonheur absolu. Ils reviennent après et me disent « Ah, mais tu sais, je suis retournée, c'est super !» Véronique Banuls a créé cet endroit atypique il y a 9 ans. Informaticienne dans une grande entreprise, elle décide en 2009 de partir en congé sabbatique pour créer son commerce. Pendant 7 ans, elle a la possibilité de reprendre son travail. Moi, j'ai 4 grandes filles qui font des études et ça coûte cher. Et effectivement, ici, je ne gagne pas ma vie. Donc, j'arrive à payer mes charges, j'arrive à payer mes salariés, j'arrive à faire que cet endroit soit agréable. Mais moi, je me suis payée à peine un RMI pendant 7 ans. Voilà, donc j'ai repris mon travail. Depuis 2 ans, elle oscille entre son métier d'informaticienne et la gestion de sa librairie. Bonjour. Bonjour Madame Darcos. Les difficultés de Véronique, la sénatrice LR Laure Darcos les connaît bien. Déjeuner et ensuite piller la boutique. Les librairies indépendantes ne font pas le poids face au e-commerce qui propose plus de choix, des prix bas et des livraisons rapides. Les sauver, c'est le combat de Laure Darcos. C'est un combat de David contre Goliath, mais je pense que c'est un combat qui est vraiment nécessaire. Vous savez que le Sénat défend bien évidemment les collectivités, défend les territoires. Et vraiment, au même titre qu'un commerce de bouche, d'avoir une librairie, je pense que c'est vraiment vital. Depuis 3 ans, Laure Darcos suit un autre projet original, celui de Delphine. Parce que du coup, vous étiez à votre guichet. Les rayonnages, il y avait quand même de quoi... Dans sa librairie ambulante, Delphine sillonnait jusqu'en décembre dernier les villages de l'Essonne avec un objectif, créer du lien social dans les milieux ruraux. Je me suis aperçue, ayant grandi à la campagne, qu'aujourd'hui on avait du mal à avoir un lieu pour se retrouver, pour discuter, même ne serait-ce que 5 minutes, et qu'il y avait énormément de personnes isolées. Donc du coup, c'est vrai que je me suis dit, en passant par la lecture, on devrait créer une espèce d'émulsion autour de ça. Mais face aux difficultés, elle a troqué son camion pour un commerce éphémère à Lardy, où elle s'est installée grâce à la mairie. Et elle était présente sur notre commune le samedi après-midi, sur la place de l'église. Et donc Eric a proposé à Delphine de tester le concept de... De tenter l'aventure de l'éphémère. On a des centres-bourgs qui meurent gentiment de faute d'animation, faute de commerce. Au fur et à mesure, on essaye de poser nos jalons pour avoir un petit peu plus de commerce. Pour la sénatrice Les Républicains, les communes ont un rôle essentiel à jouer pour le maintien des librairies indépendantes. Elle a déposé une proposition de loi au Sénat dans ce sens. Ma proposition de loi permettait aux communes de subventionner à hauteur de 30% du chiffre d'affaires une librairie qui en aurait besoin. Certaines librairies auraient eu cette possibilité de pouvoir aider, de faire voter en conseil municipal cette subvention qui peut permettre à certaines librairies de pouvoir continuer. À 2 reprises, elle a échoué à faire voter sa proposition au Sénat. Tenace, elle ne désespère pas d'y arriver pour que des librairies comme celle de Véronique et de Delphine survivent.